Ok. Il commence à essayer d'arnaquer. Ouais, j'aurais fait attention au truc, je serais allé le chercher avant et j'aurais pu gagner du temps en fait. Bon, il audio passe niveau 6 et obtient la fenêtre d'opportunité. Ah, créer une zone de fuite temporaire par la fenêtre la plus proche. Ok, donc il faut forcément faire à côté d'une fenêtre. D'accord, ok. Donc il faut qu'il y ait une fenêtre à côté. C'est pour ça que ça a fonctionné tout à l'heure, parce que j'étais à côté d'une fenêtre. Je l'avais pas compris comme ça. Je pensais que ça pouvait le faire n'importe où, mais non. Il faut être à côté d'une fenêtre pour que ça fonctionne. D'accord. Bon, on a un petit moins 5 là qui traînerait. C'est pas encore tout à fait ça, hein. Ça va être chaud, hein. Donc on demandait le nombre de quartiers tout à l'heure, là on en connaît 4 et il y en a 7 supplémentaires. Donc ça fait 11 quartiers en tout. Et je pense que le dernier ça va peut-être ouest, et même 8 avec la City de Londres. Donc à mon avis, la City et Westminster, on aura les trucs à la fin de la fin quoi. Ok. Arrestation par la police, donc au Riverwet. Ah, purée, les Riverwet, c'était pas cool de mémoire. Ah oui, faut forcément qu'il y ait une fenêtre, donc ouais, c'est super important, quoi. Et là, on a Barbarian et The Gabber qui sont ici. Est-ce qu'on tenterait... Ouais, mais la fuite par derrière, ça va être chaud, hein. Ah! Ah! Toi déjà. Voilà, toi déjà t'es couché. Ok. Ouh, l'opportunité. Ouh, qui fait mal en plus. Ah, mais il y a encore un flic de rue. Mais c'est pas possible, il y a du monde dans cette baraque. Ah, bah oui, il s'est assis, hein. C'est ce qu'on lui a demandé, il l'a fait. Ouais. Civil qui se met au milieu. Barbarien, il fait pas semblant, hein. On a calmé 4 flics. Enfin, 3 flics. J'en ai pas vu d'autres. Et par contre, tu vas te retourner, hein. Ok.
On n'a même pas appelé d'autres flics, on en a tabassé 3, mais j'ai entendu un joli bruit de craquement, ça fait plaisir. Comme un gâteau sous la dent, ouais. Pas de preuves, ok. J'ai été surpris par la position des flics, mais et Barbarien qui gagne un niveau. Elle refait le chef. Alors, coup de chaise, frapper un ennemi avec une chaise pour tenter de le désorienter. 50% de chance de désorienter ou coup de tête, inflige des dégâts et désoriente. Coup de chaise ou coup de tête? La chaise, ouais. Est-ce qu'on peut choisir d'autres trucs? Ah, non, bah non. Elle refait succès déverrouillé, donc le chef. On n'a rien gagné là-dessus, mais si ce n'est de la suspicion, mais... Ok. En espérant que soyez le journaliste va être utile. Mais on voit quand même que de l'extorsion, c'est plus rentable que de posséder les propres établissements. Hein. Dans un premier temps... Oh, parfait, la suspicion diminue. Ça, ça me plaît. Menace. Non, on va faire notre menace et on va voir ce que ça donne. Ah, bon, et eh ben on va essayer d'enlever le bar. Le coup de boule... Ouais, mais le problème du coup de boule, c'est que tu prends des dégâts aussi. Oui, temps de repos de la chaise, 4, 0 tour, coup de boule, 4 tours. C'est compliqué, quoi. Alors... Non, on va pas mettre juste le cerveau parce qu'il est fatigué. On va mettre il audio à la place. Bon, bah les gars, hein. Enfin mesdames, il va falloir... Purée, il y a du monde. Il y a sacrément du monde. 11 personnes présentes. Ça fait sacrément du monde. Porte de devant ou vous avez fini de marchander dans le chat? Bon, on va se mettre sur la porte arrière. Je pense que la porte arrière va être utile. Allez. La porte arrière nous a réussi jusqu'à présent. Les affaires sont les affaires, chef. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On a un gars là, normalement il y en a un là, il y en a un là et il y en a un là, hein, de mémoire. Ouh. Ouh. Alors. On a le boss en face, un hacker en face et un gars là. Est-ce qu'on se mettrait pas en position ici? Lui il va recevoir. Ah mais non, ça c'est un civil. Oh merde. Ouais, on va se mettre en position, je crois. Hein. Là, on va les recevoir. On va essayer de gagner un tour.
Et je pense qu'on va la jouer comme ça. Hein. Ok, lui il se déplace juste, donc pas d'attaque, c'est parfait. Lui il va attaquer. Mais ça tombe bien, il se prend un pain. Ah, il y en avait un là, d'accord, ouais. Et il y en a un qui était aux chiottes. Oh, ils viennent tous en plus. Et ils viennent tous. Ok. D'accord. Et lui, pour l'instant, tant qu'il reste là-dedans, moi, ça me va. Est-ce qu'on pourrait pas cibler le chef? Voilà, genre le boss. On va donner l'ordre. Vous lui mettez plus de dégâts parce que je veux que le boss y dégage. Et toi déjà tu vas te prendre un pain. Non. Ok. Donc déjà on a le coup de pied. Ça tape deux personnes. On va te donner toi le coup de pied aussi. Voilà, le coup de poing sur le chef. Ah, dommage, le coup de poing qui a pas réussi. Voilà, toi déjà, tu t'es couché. Ensuite, il y a une attaque d'opportunité ici. Voilà, ça fait du bien ça. Toi t'as quoi? Bon, ça passe par-dessus la chaise, mais c'est pas grave. Le chef qui prend cher. Toi déjà. Et merde. J'ai pas vu où je tapais. Bon, ok, ça marque le torsionnaire. Mais pour l'instant, eux, ils se bloquent eux-mêmes. Donc, voilà, tête baissée. Oh, bah alors là, le chef, il va prendre sévère. Hein. Ok, ça m'immobilise. Toi, t'as bien fait. Tu te prends des attaques d'opportunité. Le hacker qui reste dans ses chiottes, tranquillement. Bon, là ça se bat. Donc il va falloir taper ici, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, toi on a dit que tu devais taper. Tu lâches mon unité. On a un coup de pied. Voilà, ça va faire du bien. Et on a un deuxième coup de pied? Ah non. Ok. Sur le tank, le punk ou le hacker. Ok, le tank qui prend sévère, c'est déjà pas mal. Peut-être un petit doigt dans les yeux là. Voilà, ça nous fera du bien. Ok, déjà couché, on récupère. Ensuite, il faut libérer lui. Donc déjà, donner un coup, ça libère. Et le brisage de noix. Ça ne marche pas. Le coup de pied sur le boss. Ça fonctionne. Toi non, mais toi. C'est pas un mur ça. Il
Et si je t'envoie chier ici... Ok, le boss est KO. Et ça immobilise. Ok, alors je suis désolé, je vous lis pas beaucoup, heureusement. Du coup, méfiez-vous des femmes qui se baladent en bas dans la rue, elles sont potentiellement violentes, exactement. Ouh, là par contre c'est pas cool là. Là faut sortir notre tortionnaire de là. Parce que la tortionnaire est pas bien du tout, quasiment KO. Alors. Est-ce que je peux balancer un verre? Ok. Sorti. Toi. Ok. Non. C'est un cerveau, ça c'est mon videur. Ok, KO. Il va falloir faire des attaques d'opportunité sur les arrières. Voilà. Pas d'attaque de ta part. Comment on va s'en sortir? Parce que là, notre tortionnaire, il va pas être bien, quoi. Et j'ai pas envie qu'il se fasse foutre en tôle. Les flics sont dans 3 tours. Ah, à la rigueur, on pourrait peut-être... Mais non, on n'a pas la fenêtre de sortie. Merde, j'aurais pas dû faire ça, tant pis. Ok, toi déjà, c'est calmé. J'aurais dû la mettre préparée au combat. KO. Allez, on pousse tout le monde. Lui déjà qu'il est aveugle, au moins, plus une jambe en moins. Prends ton pain. Je rappelle qu'on a une autre unité là-bas dedans. Hein. Toi. Thank you.
Ok. Par contre, qui pourrait aider? Est-ce qu'on a un truc pour aider quelqu'un? On peut essayer de la pousser vers la sortie, pourquoi pas. Ben, j'ai les bandages, mais les bandages, tu peux les utiliser que pour toi, apparemment, donc... Je vais essayer de la pousser. Ça marche pas. Hein. Non, il n'y a pas de fenêtre, mais on a la sortie à côté, donc c'est pas un problème ça. Mais merde! Ce qui est con, c'est qu'on peut pas aider. Non, je suis désolé, je vais recommencer. Je vais recommencer. Parce que clairement. Alors, faudrait que je comprenne la mécanique de jeu pour soulever quelqu'un. Enfin, pour. Il doit y avoir quelque chose, mais. Je suis pas content, ça me va pas. Après, c'est vrai que j'ai mis un tortionnaire en première ligne, donc bon. On va s'y essayer comme ça. Bon, alors. Ok. On va essayer de laisser les tortionnaires en support. Donc là, on a un hippie. Le punk qui fonce dans le tas. Salut. Toi déjà tu prends ton pain. Toi tu restes dans ton chiotte, c'est pas, ça me gêne pas. Toi t'as utilisé toutes tes actions pour sauter là, ça me va. Et le boss c'est là et il va prendre son pain. Moi non plus, je suis pas content du résultat. Bah, tu m'étonnes. Alors, on va déjà. Marquer. Le boss. On marque le boss. Si là, je donne un coup de pied dans le boss, ça renverse l'autre derrière. Donc ça fait les dégâts, ça libère ce que je voulais faire.
Le boss, il va se prendre un pain. Et même deux pour le coup. Gigigolo va donner un coup de latte au boss. Ça le couche. Et il peut attacher personne pour l'instant. Et toi, t'as 98% de chance de te prendre un pain dans la gueule. Donc, tu te le prends. Ok, là on a un hacker. Le hacker. Et on a Falsea qui doit pouvoir rentrer dans le tas sans se prendre d'attaque d'opportunité. Voilà, on donne des pains. On nous appelle les boulangers dans le milieu. Toi, t'as bien fait de venir. Tu te prends ton attaque, ok. Donc là, ça immobilise. Et là, ça frappe. Là, ça essaye de contourner. Et ça se prend une attaque des familles. Donc on va pouvoir... et là, ça crève les yeux. Oh purée. Et ça donne un coup de... Ok. Bon, le punk là, il mongolise, ça me va. Deux unités qui mongolisent, c'est toujours bien. Hein. Faudrait que je passe là. Pourquoi je peux pas faire ça? Ah, prends-toi ton pain. Ok. On va essayer de libérer un peu tout le monde. Ok. Et on va même pouvoir lui faire s'écraser contre une table. Ça lui fera du bien. Ok, on a un tortionnaire ici qui pourrait donner un gros coup de chaise à lui, mais ça fait que 5 à 8. 5 à 8. Donc là, c'est de 4 à 9. Ah, ouais. On va essayer de réfléchir un peu. Ton pain. Toi déjà, ton brise-noix, tu vas y avoir droit. Tu vas même aller visiter la porte, ça te fera du bien. Tiens, fais-toi crever les yeux, tu nous foutras la paix. Tu nous l'as fait, on te le fait aussi. Toi, tu vas te prendre des pains. C'est la boulangerie qui offre. Tiens, mange. Ok, ça a raté. Raté. Réussi, ok. Réfléchis quoi? Ah, vous m'en demandez trop aussi. Bon, lui, il mongolise complètement, hein. Je pense qu'on va ouvrir la porte. On va aller se faire le hacker qui est ici, je pense. Ok.
Pour l'instant, on n'est pas loin d'appeler les flics, hein, mais c'est pas encore le cas. Ça dégage déjà. C'est tout? Ok. Ok. Ça va faire du dégât là. Bon, ça se rebagarre, mais là on va pouvoir la sortir. Ok, celui-là est couché, ça me va. Ok. Allez, on menace, je sais où t'habites, je jure devant Dieu que je te tuerai tous les gens que... D'accord, l'autre s'est cassé, ça me va. Est-ce qu'on peut aller... on va avancer, que dalle. Ça, ça me va. Ça va. Bon, elle bouge pas. Ça va bien, merci. Attends, on va te faire les genoux. Voilà. Déjà un petit genou. Si, si on peut la tabasser à 3, on tabasse à 3, hein. Tiens, un coup dans les noix, ça va te faire du bien. Non, j'ai tapé deux fois alors que je voulais pas. Ok. On va voir si les flics viennent par là ou pas. Bah quand même, non ? Ok. Les flics arrivent. Tu serais bien en videur ou en tortionnaire. Alors on peut pas être les deux, hein. J'ai l'impression que des fois vous avez les mêmes profs. Parce que vous sortez tous les mêmes phrases. Hein.
Il manque qui? Allez, c'est bon, c'est cassé. Ah bah là, on leur a mis une carte de visite dans la tronche, hein, pour le coup. Bah heureusement qu'on a eu un punk qui a mongolisé sur la scène, là, parce que... Bon, Falseac prend un niveau, Gigigolo prend un niveau. D'ailleurs, je me demande, Falseac est pas parti, j'ai pas vu s'il était parti. Je l'ai vu passer tout à l'heure, mais j'ai pas vu s'il était parti. Ah mince, bah je l'ai pas vu. Vous marquez pas, ça va vous faire que des emmerdes. Oui, bah ça, c'était pas très nouveau. Jeter sur la table. On va prendre la table, pour le coup, pour Falseac. Et là, bon, bah, on crève les yeux. Ok, mais tout le monde est épuisé. Et ils ont perdu un bar. Bon. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller faire une petite extorsion dans un premier temps? Ou tabasser? Ah non, on va faire une extorsion dans un premier temps. Par contre, je vais voir la bande dans quel état elle est. C'est celui qui aura le plus d'énergie qui ira, hein. Barbarien, ouais. Bon, barbarien. Petite extorsion.